Bonjour tout le monde, bienvenue sous Palmisland. Pour tout le monde qui monte par bon ici là pour première fois, pas oublier. Avant de quitter l'espace là, on va cliquer sur s'abonner ou bien subscribe, cliquer sur cloche là tout. Veuillez bien leur payer sur cloche là qu'elle sur tout pour capable joindre toute information qu'il a partagé. Je dis à nous venir parler de dernière note qui sorti en dessous à 40 Twitter dans ambassade des États-Unis qui trouvait en Haïti. En pile voyez monter, en pile monde dit ouais, une autre fois encore les Américains justement à backup Jovenel Moïse. Nous autres, pas moi ici, là, ça nous toujours fait, nous toujours analyser chaque leur déclaration faite. Nous songez bien, lorsque Marco Rubio te parlé, nous t'allons dans notre là. Nous analyser pour nous essayer de comprendre. Même jean tout les Biden parler, nous allons directement dans la source là. Nous allons essayer de comprendre ça qui dit sans voir monter. D'abord, nous allons analyser la déclaration pour nous percer vraiment vrai. Sans vous émouter. Maintenant, on d'abord mettez dans qui contexte déclaration ça a venu pour qu'elle comprenne plus bien. Déclaration ça a venu dans un contexte côté que plusieurs médias de l'international, que ce soit New York Times, Miami Herald, eh bien, a montré Jean crise haïtienne dans son crise qui aiguë. Li vini tout dans contexte que gain des leaders démocrates influents qui prononcent le crise là. Nous connaissons Sanders te parler. Nous connaissons Rubio parler. Et dernier en date là, c'est Biden. Comprenez bien. Pas remarquer notre ça sorti tout de suite après Biden fin parler. Ça, d'abord, ça pour essayer de comprendre. Pas oublier que madame là, qui actuellement au niveau de l'ambassade des États-Unis en Haïti, lui a une responsabilité de son poste, son job, yoban. Gouvernement, il a mis dans le poste ça. Donc, il faut le monter qui ça le vaut. Et lorsque vous avez un candidat démocrate qui a voulu shooter sous président, comme quoi que le président n'a pas fait rien. Ce n'est pas nécessairement job président pour commencer à montrer que la frontière. C'est job pâle. Donc, ils comprennent qu'il faut l'impliquer le plus parce que Biden dit, yo, dans le sens vague, yo, quitte tout le bagage à faire. Et pas bien que Biden parle hier et c'est jeudi, il est obligé de prononcer. Donc, ce façon vous dit que, l'analyse pas nous, déclaration Biden a forcé l'ambassade des États-Unis à réagir tout. Parce qu'ils sont acteurs, sont ambassadeurs souillés, ou là, ils ont bon job, ou bon rôle pour capable laver figi pouvoir et pour ça, au métaux. Puisque au bon candidat républicain qui parle président, il dit que voilà, mais nous avons un président des États-Unis qui passif, qui ton pays, il n'a pas dit rien. Et que lui-même dit, s'il était là, il t'a encouragé au dialogue. OK? Et c'est tout de suite après ça, ouais, notre la sortie. Donc d'abord, nous autres, ça n'a pas essayé pour comprendre. Contexte, déclaration, vous comprenez. Mais déclaration, ça a tout. Il vient dans le contexte côté que, d'abord, il y a des fuites. Par exemple, il y a Hugues Célestin qui est porte-parole commission et qui est alternative consensuelle là, mais sous pied. Il indique que la commission a rencontré le président République là lorsque nécessité a. Lorsque vous senti nécessité a. Vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque tout le monde vrai président prêt pour que il opte pour option partie. Porte-parole alternative l'a précisé que ce n'est pas un débat avec le président Jovenel Moïse, mais c'est une fenêtre qui existe. Vous entendez bien? Il a précisé que ce n'est pas un débat avec Jovenel Moïse, c'est une fenêtre que il a quitté exister. Américain, il exige que pour fenêtre ça, tu es capable d'ouvrir. L'autre initiative, c'est que passerelle, là, tout va bien que vous mettez en commission, qui c'est passerelle pour recevoir pour voir non, mais Jovenel, vous comprenez? Qui a fait transition. Eh bien, il dit que, dans la nouvelle liste, en parlant de Lemaitre Zéphir, il dit que passerelle a disposé rencontrer Jovenel Moïse. Et au qu'on a dit passerelle a rencontré, passerelle a eu créé le pour qui ça, c'est justement pour le transmettre pouvoir. Donc, dans le contexte, ça, il y a des signaux qui ont sorti des acteurs comme quoi vous avez commencé à parler. Maintenant, lorsque Nagyo dit, il n'y a pas encouragé tout acteur politique, économique, de ceux des civils là, pour entamer sans tarder, sans condition préalable, un dialogue inclusif. Pour être capable de déterminer la voie à suivre. Pour, tenez bien, pour être capable de déterminer qui route pour prendre, pour rejoindre un gouvernement opérationnel. Il est clair que les États-Unis souhaitaient que protagonistes pour passer de la parole aux actes et dans tous les camps. Ils voulaient pour passer de la parole aux actes et dans tous les camps. Et prise position, ambassade américaine, il y a un moment où grande presse, nous bien New York Times, Washington Post, The Nation, Miami Herald, pas seulement AFP, RFI, tout a montré Jean Crise là, a justement endurci.
Déclaration tombée dans le moment où Jovenel Moïse, bon côté pâle, nous voyons ça, Jovenel Moïse. Paradoxalement ou pas, paradoxalement, nous voyons que Jovenel Moïse, c'est devenu juste à la prend. C'est la BCE prend en main conversation pour changer. Et je ne lui dit, ça l'a parlé, la parlé de franchise douane, pour si Jovenel la douane bloquée. Pas qu'une transaction, mais on ne sait pas ça avait dit, non. Pays a bloqué, pas qu'une transaction financière, DGI, autre, pas grand-rien. La parole de SS franchise douanière, la parole de prêt à l'ONA. Donc, son changement, détournement, oui. Contrat producteur d'électricité. C'est le moment où les États-Unis disent l'urgent pour changer le gouvernement. L'urgent. Il dit c'est une façon tout pour, au capable de dire, vous voulez censurer ou bien des ministres démissionnaires qui ne peuvent pas mettre là, c'est au capable de décider ou bien la paix, ou demander ça la paix à faire là. Parce que. Au moins, vous avez Williams, ok? Mais la paix pas gagné aussi, même dans le moment là, ok? A, il pas jamais reconnaître dans le Parlement. Lorsque vous avez un gouvernement opérationnel qui a servi les peuples haïtiens, c'est ça notre. Comment vous avez analysé ça? Vous avez besoin d'un gouvernement opérationnel qui a servi les peuples haïtiens, qui a répondu à la préoccupation économique, sociale, pressant pays. Ça veut dire une bénédiction que vous mettez en place. Lorsque vous dites, par exemple, dirigeants haïtiens doivent travailler ensemble pour trouver une solution pacifique, démocratique, avec un sens aigu de l'urgence. Tenez bien. Dirigeants haïtiens doivent travailler ensemble pour trouver une solution pacifique, démocratique, avec un sens aigu de l'urgence. Vous sentez que pour Jovenel Moïse, pas une urgence. Mais ça et ça, à qui est-ce qu'il adresse? L'adresse est directement au président Jovenel Moïse. Président, pas arrivé à organiser l'élection. Qui était sous effet pour moi d'octobre. Il sortit automatiquement sous route institutionnelle. Et maintenant, chef d'État, ça l'a joué, là, l'a joué avec le temps. L'a cherché appui logistique des États-Unis pour le capable de mater, en fait, mater, rebelle là, bien entendu, l'a joué avec le temps. C'est son politique d'usure. Et cela fait, nous connaissons plusieurs semaines, même quoi, groupe là. Je demande à ce que le président, en fait, pour toujours un dialogue, ok? Pour pas faire, pour pas question avec, jouer avec le temps. Comprenez bien? Je demande pour que, je ne vois pas la fête là, nous comprenons ce qu'on fait là, c'est le temps. Pas de mentir dans ça. Pouvoir choisir, jouer en politique, pour ce que c'est pour me fatiguer. Vous comprenez? C'est ça la jouer là, ok? Pendant ce temps, le peuple ici a souffri. Et. Tenez bien. Dernier, on partit dans notre qui dit, le peuple haïtien souffre. Nous sommes aux côtés des haïtiens qui attachent de l'importance à la paix. Ouais, ça assemblé avec peut-être tête coupée avec position évêque. Parce que l'évêque dit, yo même pas côté haïtien qui a revendiqué. Pasteur religieux, qui a marché dans la rue. Nous sommes aux côtés des haïtiens. L'autre partie de la phrase a dit. Yo fait appel à courage. Reddition des comptes. Faut qu'on rende compte. Libère un hommage au Petro Challenger. Tout le monde qui a dénoncé multiples formes de corruption. Là, on fait un appel courage à reddition des comptes. C'est un hommage pour Petro Challenger. Pour tout le monde qui a dénoncé multiples formes de corruption. Je vais répéter pour nous encore. On appelle au courage à la reddition des comptes. Son hommage. Bien entendu, les États-Unis pas soutenir toute forme d'opposition. Les États-Unis, j'en l'explique, ils ont déploré, ils n'ont pas d'accord, leur a bloqué, brûlé caoutchouc. Donc, ils n'ont pas d'accord à ça. OK? Ils ont déploré le blocage actuel qui contribue directement à la violence. Ils ont monté en flèche de besoins d'urgence humanitaire, interruption de vie quotidienne des peuples haïtiens. Méthodologie de prise de pouvoir est reconnue. Vote, balle, mot. Les États-Unis semblent suggérer fortement voire moins dangereuse possible. Cependant, il faut souligner que condamnation, blocage, violence, c'est en fin de texte. Il n'est pas anodin. Donc, ça ne veut tout pas là. Ça pour nous comprendre, c'est que. Position des États-Unis, hein?
d'une manière ou d'une autre, c'est la paix pour demander. C'est ça, vous comprenez. Mais il n'est pas nécessairement dit, parce que grand peu de monde qui dit, depuis que je suis à parler, il va pas dire l'autre bagaille, c'est ça, qui est automatique. Mais nous montrons des points qu'on décrit, par exemple, lorsque vous dites, il a demandé l'édition des comptes, il a du côté de peuple haïtien qui a revendiqué. Donc, il n'est pas dit automatiquement, on l'aide blanche, on lumière vert que vous bail pour voir en place là. Diplomatie, en fait, c'est diplomatie qui a fait. Note qui sorti hier là, li marque un réel, un infléchissement. Il dit, li marque nous capable un changement de position même des États-Unis. Nous capable dit, note ça, c'est la guerre ou la guerre Jovenel. Donc, c'est un appât par couleur, cadre diplomatique, joueur de la crise haïtienne. Pas ou vini sous table de poker là. Pas ou vini là. Et là, on dit sans condition, ça le dit. Tout bagaille possible. C'est ça, ça le dit, oui. N'a bin sous table là, tout bagaille, tout scénario possible. OK? Tout scénario possible. Donc, s'il est vrai que, non, pour plusieurs monde, notamment, yo quand on fait une interprétation de notre ça, mais notre là, l'appli en essence, il pas vraiment automatiquement mandé pour Jovenel rete. Il pas nécessairement on appui au gouvernement en place. Et nous, si tu es contexte ça pour notre ça vini tout, c'est sous pression parce que imagine yo met ton ambassadrice. En pile, on a parlé, journal a parlé. Et dernier monde qui parle, ou un candidat potentiel républicain qui aspire à président, qui attaque le président, parce que l'ambassade de là, c'est président, la travail pour toi. Ou pas carré tap gade. Ou pas carré tap gade. Ou obligé de montrer qu'on est acteur. C'est ça, c'est comme ça pour une compagnie. Donc voilà, nous allons analyser justement notre cerveau. Donc, nous allons nous reprendre et reconnecter avec nous pour comprendre tout ça qui a passé. Portez-nous bien.